Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous présenter un objet que j'aimerais beaucoup avoir un jour dans mes mains. Je sais pas comment qualifier ce truc. On va appeler ça un accessoire qui va vous permettre d'avoir plusieurs écrans sur un PC portable. Trois écrans exactement. Et honnêtement, je me demande pourquoi cette option n'est pas déjà intégrée sur certains PC portables. Avoir deux, trois écrans, c'est juste hyper pratique si vous faites des vidéos, du montage vidéo, du montage photo, des streams, des recherches sur Google. Avoir le texte d'un côté, les recherches de l'autre, ça rend les choses beaucoup plus rapides. Bref, avoir plusieurs écrans, c'est devenu indispensable pour moi et pour beaucoup d'autres. Et c'est ce qui manque aujourd'hui sur les PC portable. L'accessoire que je vous présente aujourd'hui s'appelle Slide & Joy. C'est une espèce de plaque qui contient deux écrans et qui va venir se fixer derrière le PC. Cette plaque, en plus de ça, est pas vraiment super épaisse. Elle fait environ 1,5 cm d'épaisseur. Je vous rappelle qu'il y a deux écrans à l'intérieur, tranquillement. Pour à peu près 1 kg et c'est de l'aluminium, donc c'est plutôt résistant. C'est donc plutôt facile et pas trop contraignant à transporter. Pour faire sortir ces deux écrans de la plaque, vous avez simplement à les tirer sur les côtés, donc à les faire glisser, d'où le nom Slide & Joy. Pas con. Vous pouvez positionner les écrans un petit peu comme vous voulez, en rabattre un à l'arrière du PC, laisser l'autre devant. Vous pouvez aussi former un triangle grâce à tous les écrans. Si vous voulez montrer quelque chose à plusieurs personnes en même temps, ce truc est juste parfait. Au niveau de la compatibilité, la marque a fait pas mal d'efforts. Il y a plusieurs versions, 13 pouces, 15 pouces et 17 pouces qui sont accessibles au même prix sur le site officiel. Faites attention, ça va pas forcément être le cas sur des sites de revendeurs. Ça me surprend un petit peu que ce soit exactement le même prix pour toutes les tailles, mais c'est positif. Je vais pas faire le rageux, je trouve ça cool. Slide & Joy est aussi compatible macOS et Windows et va se connecter en fait grâce à un seul port USB 3.0. Simplement ça. Si vous ne savez pas repérer un port USB 3.0, sachez juste qu'il est bleu, c'est le seul. Pas besoin de port HDMI, juste un port USB 3.0. Si les seuls ports USB que vous avez sur votre PC sont des 2.0, vous êtes niqué. Encore une fois, je trouve ça cool que la connectique soit aussi simple, même si ce serait bien d'avoir des alternatives. Par exemple, moi sur mon PC portable, j'ai pas de 3.0. J'aimerais bien que ça puisse marcher autrement. En HDMI, en USB 2.0, les deux cumulés s'il faut. J'aurais perdu deux ports sur mon PC, mais au moins ça aurait marché. Voilà, en gros, j'espère qu'ils feront une version pour les PC un peu plus arriérée. Genre le mien. Je pouvais évidemment pas vous faire une vidéo sans vous parler du prix. Le modèle le moins cher est à 349€. Dit comme ça, ça fait cher, mais si on y réfléchit, les écrans sur le marché qui font de la 1080p coûtent entre 150 et 200€ pour la plupart au moment où je tourne cette vidéo. Et je parle des écrans basiques, les affichages les plus normaux, en gros la moyenne gamme. Donc quand on fait la comparaison, au final, ça passe. Sur le Slide & Joy, on a deux écrans 1080p, donc logiquement si on achetait ces écrans à part, on en aurait pour 300-400€. Nous, on est à 350€. Au milieu. Après, évidemment, les écrans vont être un peu plus petits puisqu'on est sur du format portable, mais ça va. Pour le moment, je trouve qu'on se fait pas trop voler. Par contre, le prix varie en fonction des revêtements que vous mettez derrière les écrans. Pour la version la moins chère, vous avez accès à des couleurs basiques. Rouge, bleu, vert, noir, blanc et des trucs du genre. Pour la version premium qui vaut quand même 100€ de plus, là, au niveau du prix, on commence à se sentir pas trop bien. Vous avez des revêtements en bois, en aluminium brossé, etc. Et pour la version limitée, donc la plus chère, qui vaut 849€... Ah oui. Vous avez du cuir, du carbone... Ok, c'est stylé. Mais payer 850€ pour avoir un ordi un peu pimp, est-ce que ça sentirait pas un peu la douille? C'est une question. Oh bah moi c'est pas compliqué, j'achète directement. Le concept de l'objet m'a beaucoup plu, il y a quelques défauts évidemment. Pour tout ce qui est caractéristiques un peu plus précises sur l'objet, les spécificités, etc. Je vous laisse vous renseigner sur le site officiel que je vous mets en description. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez-moi un bon petit like en dessous de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément. En attendant la prochaine vidéo qui arrive très vite, moi je vous dis salut à tous, ciao!